Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Shalom, mon frère. Shalom, ma sœur. Shalom, my brother. Shalom, my sister. Nous allons nous incliner dans la prière. Let's bow down in prayer. Père éternel, je viens auprès de toi ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu. Tu es merveilleux, mon Père et mon Dieu, toi qui nous donnes encore l'opportunité d'être dans ta présence, de t'invoquer et de parler de ta part. Nous te disons merci. Mon Père et mon Dieu, sans le Saint-Esprit, je ne puis rien. C'est pourquoi, tel qu'il est écrit que le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, je te demande de me remplir du Saint-Esprit, Papa, ce soir, afin que quand je parle, ça vienne de toi. Ô Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Remplis-moi d'onction et de discernement. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau me couvre. Que toi, Esprit de Dieu, non seulement tu me parles à moi, parle à travers ma bouche. Et parle à mon frère et à ma sœur ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je détruis chaque plan de l'ennemi contre le culte de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce service. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons encore prier. Beloved, we're going to pray some more. Mais comme les fois passées, nous allons un peu partager sur le royaume de Dieu. But as the other times, we're going to share a bit about the kingdom of God. Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Seek first the kingdom and the righteousness of God, and all these things will be added to you. Alors, bon, faut bien comprendre pourquoi le Seigneur Jésus nous exhorte à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. So we need to understand why the Lord Jesus tells us to seek first the kingdom and righteousness of God. Nous avons vu hier, we saw yesterday, que quand nous sommes sous le royaume de Dieu influence nos vies et il y a un impact du royaume de Dieu sur nos vies. We saw that we are influenced by the kingdom and there is an impact of the kingdom over us when we are in the kingdom of God. Et donc, une part de l'influence du royaume sur nos vies est que nous sommes sous l'administration céleste. This means we are under heavenly administration. Ceci signifie que le roi de ce royaume devient notre point de référence. Therefore, the king of this kingdom becomes our point of reference. Et il devient notre point de référence dans tous les domaines de notre vie. He becomes our reference in every area of our lives. C'est-à-dire que ses voies deviennent nos voies. Meaning his ways become our ways. Sa volonté devient notre volonté. His will becomes our will. Sa culture devient notre culture. His culture becomes our culture. Ses intérêts deviennent nos intérêts. His interests become our interests. Nous aimons ce qu'il aime et nous n'aimons pas ce qu'il n'aime pas. We love what we love, we hate what he hates. Et en tant que citoyen céleste, en tant qu'enfant de Dieu, citoyen de ce royaume, nous devenons ses ambassadeurs sur cette terre. And as citizens of this kingdom, we become ambassadors here on earth. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20. 2 Corinthians chapter 20 in verse 5. Nous allons voir, et il y a beaucoup de versets, mais je vais en donner quelques-uns. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Now then, we are ambassadors for Christ. As though God were pleading through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Donc, quand nous sommes dans ce royaume que nous cherchons, nous devenons directement ambassadeurs de ce royaume. When we become citizens of this kingdom that we are seeking, we become automatically ambassadors. Donc nous le représentons. So we represent him.
Philippiens 3:20 nous dit aussi. Philippians 3:20 tells us. Nous représentons ce royaume. We represent this kingdom. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Un ambassadeur doit être digne. Il doit refléter le royaume d'où il vient. An ambassador must reflect where he comes from and be worthy. Nous pouvons lire Philippiens chapitre 3 verset 20. Let's read Philippians chapter 3 verse 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Donc notre citoyenneté, our citizenship, est dans le ciel. Is in heaven. Ici sur la terre, here on earth, nous représentons, we represent, le royaume, the kingdom. Donc nous sommes les ambassadeurs. So we are ambassadors. Tu peux lire aussi Ephésiens chapitre 6 verset 20. You will also read Ephesians chapter 6 verse 20. Il y a plusieurs versets qui parlent de cela. Numerous verses speaking about this. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois parler. For this I am an ambassador in chains. Pray that I might be bold enough in him to speak as I should. Paul parle même dans la prison. Paul is speaking even in the prison. Il dit je suis ambassadeur même dans les chaînes. He says I am an ambassador even in chains. Et je parle comme il faut. And I speak as I should. Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, nous représentons le ciel, le royaume du ciel sur la terre. We are representing the kingdom of heaven on earth. Donc nous sommes sous l'influence, so we are under the influence, du royaume. Of the kingdom. Voilà pourquoi le Seigneur dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. So the Lord says, seek first the kingdom and the righteousness of God. C'est alors que toutes ces choses vous seront données. And then all these things will be added to you. Influence. Quand nous demeurons sous cette influence, nous avons aussi l'impact. When we dwell under this influence, we also have impact. L'impact du royaume que nous représentons. The impact of the kingdom we represent. Les rois et les reines de ce monde, the kings and queens of this world, ont un impact sur les territoires et le peuple qui habite les territoires sur lesquels ils règnent. They have an impact over the lands or the territories over which they rule. Et cela, les rois là, la manière dont ils affectent et impactent dans, même dans la manière de vivre. And these kings and queens, they affect and impact even in the way of living. Et nous pouvons voir par exemple la différence entre les pays qui ont été soumis à la couronne d'Angleterre. And we will see the difference between countries that are under the reign of kings and queens. D'Angleterre. Of England. Nous pouvons voir qu'ils vivent différemment. Ça, cela a eu un impact dans leur manière de vivre, même s'ils sont en Afrique. We will see that their lifestyle, their way of living is different even if they are in Africa. Parce que la couronne d'Angleterre a un impact sur eux, même s'ils sont en Afrique ou dans un autre continent. Vous verrez dans leur manière de vivre, vous verrez la trace de l'Angleterre. Because the crown of England will impact their lifestyles and their lives even though they are in Africa or in another continent. Et ceux qui ont été soumis à la domination des pays francophones, and those who have been submitted to francophonic dominion, vous pouvez voir l'impact de la France dans leur style de vie, dans leur manière de vivre et dans beaucoup de domaines dans leur vie. You will see the impact of France in their lifestyle and the way that they live. Les pays qui ont été dominés par la couronne d'Angleterre, vous voyez, ils conduisent à gauche. The countries that have been ruled by the crown of England, you will see that they drive on the left. Et ceux qui ont été colonisés par la France, ils conduisent à droite. Those who were colonized by the French drive on the right. Même après la colonisation, even after colonization, nous voyons la trace. We see traces du pays qui a dominé sur eux, of the country that ruled on them, dans leur mode de vie, in their way of life. Alors, de la même manière, so in the same way, il y a deux royaumes, there are two kingdoms, le royaume de Dieu et le royaume du diable, the kingdom of God and the kingdom of the devil, le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres, the kingdom of light and the kingdom of darkness.
Et dans ta manière de vivre, nous saurons sous quel domaine, sous quel royaume tu vis. And in your way of living, we will know under which kingdom you are in. Par ta manière de vivre, on peut dire de quel royaume tu fais partie. By the way that you live, we will be able to tell in which kingdom you are. Si nous prétendons connaître le roi, si nous prétendons suivre le roi, notre Seigneur Jésus-Christ, cela doit se refléter dans notre manière de vivre. If we say that we live like the king or we follow the king, this has to be reflected in our way of living. Jean chapitre 15 verset 19. John chapter 15 verse 19. Si vraiment nous prétendons que nous croyons et que nous suivons le roi, notre vie doit refléter l'influence de son gouvernement et de son administration. Nous allons lire Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. If you were of the world would love its own. Yet, because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Donc nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. This means we are in the world, but we are not of the world. Si vraiment nous avons le royaume, voilà pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. This is why Jesus says, seek first the kingdom and the righteousness of God. À ce moment-là, nous mènerons une vie différente. We will live a different life. Et les autres qui ne sont pas de ce royaume s'étonnent même. Vous verrez que les gens qui ne sont pas de ce royaume vont s'étonner de certaines choses, de certaines différences. On verra que nous sommes différents. And the people who are not of this kingdom will be surprised, they will be amazed because our lives will be different. C'est parce que nous sommes sous une autre administration. Because we are under a different administration. Sous un autre gouvernement. Under a different government. Différent de celui du monde. Different than that of the world. Voilà pourquoi on peut te trouver bizarre parce qu'ils ne sont pas du royaume. That is why people who are not in the kingdom will find you weird, strange. Ils peuvent être étonnés. They will be surprised. Que tu as changé de langage. That you have changed your language. Que tu ne parles plus comme tu parlais auparavant. You do not speak the way you used to before. Que tu ne fais plus les choses que tu faisais auparavant. You don't do things like you used to before. Tu deviens différent. You are different. Cette différence, c'est parce que tu es sous une autre autorité. This difference is because you are under a different authority. C'est-à-dire, tu es sous un autre royaume. It means you are under or in another kingdom. Et le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 7, versets 16 à 18. And our Lord Jesus tells us in Matthew 7, verse 16 to 18. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de bons fruits. Un arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Donc, un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits et vice versa. You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruits, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear bad fruit. Donc si tu es vraiment sous la gouvernance divine, si tu es vraiment dans le royaume, fille du royaume, fils du royaume, on te reconnaîtra par tes fruits. You will be known by your fruits if you are a daughter or a son of the kingdom. Tu seras différent. You will be different. Voilà ma petite exhortation pour ce soir. Nous allons passer à la prière maintenant. This was my short exhortation for tonight. We're going to move on to our prayers. Nous allons d'abord remercier le Seigneur. We're going to thank the Lord pour l'opportunité qu'il nous donne d'être encore dans sa présence. For the opportunity he gives us to be in his presence once again. Nous allons le remercier pour le souffle de vie que nous avons. Let's thank him for the breath of life we have. Dis merci à ton Dieu. Say thank you to God pour cette grâce. For this grace.
d'être capable de prier encore. To be able to pray again. Parce que c'est lui qui met en toi le vouloir et le faire. Because he gives you the will to do. Nous allons remercier ce Dieu-là. Let us thank this God. Prions ensemble. Let's pray together. Seigneur, je viens auprès de toi ce soir pour te remercier pour la grâce que tu m'as accordée, mon Père et mon Dieu, d'être encore à ton service. Mon Père et mon Dieu, pour la grâce que tu m'as accordée de prier encore, parce que c'est toi qui mets en moi le vouloir et le faire. Merci pour ma sœur qui est en train de me suivre. Merci pour mon frère qui est en train de me suivre. Merci, mon Père et mon Dieu, pour l'opportunité que tu nous donnes de partager ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Père éternel, je te bénis et je te dis merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Papa. Nous allons demander pardon pour nos péchés et d'être lavés par le sang de la croix. Et afin qu'il nous remplisse de son esprit. And that he may fill us with the Holy Spirit. Élevons nos voix. Let's raise our voices. Père éternel, nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je viens auprès de toi pour implorer ta miséricorde, mon Père et mon Dieu, ce soir. Pardonne mes péchés, mon Père et mon Dieu, que j'ai commis consciemment ou inconsciemment. Au nom puissant de Jésus-Christ, les péchés que j'ai commis dans mes pensées ou dans mon langage, ou dans un acte que j'ai commis, mon Père et mon Dieu, ou là où je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Pardonne-moi dans le nom puissant de Jésus-Christ et lave-moi dans le sang qui a coulé à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton sang me lave de tous mes péchés et qu'il me purifie de toutes mes iniquités, afin que je sois digne de parler de ta part, ô mon Dieu. J'implore ta miséricorde, Yahweh. Remplis-moi du Saint-Esprit, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Dieu de Jacob. Que ton esprit puisse me rendre capable, mon Père et mon Dieu, ce soir de t'écouter et de parler de ta part, au nom puissant de Jésus-Christ. Viens, Esprit de Dieu, oint le culte de ce soir, prends-en la direction, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons anéantir toute puissance du monde des ténèbres. We're going to cancel all the powers of the kingdom of darkness. Toi qui me suis, tu vas lier l'esprit de confusion. You who is watching me, you're going to destroy the spirit of confusion. L'esprit de distraction. The spirit of distraction. Vous savez, quand tu veux prier, you know, when you want to pray, l'ennemi essaiera de venir apporter la distraction. The enemy will try to bring distraction. C'est quand tu veux prier que le téléphone va sonner. It is when you want to pray that your phone will ring. C'est quand tu veux prier que quelqu'un viendra frapper à la porte ou bien qu'un enfant commence à pleurer. When you want to pray, someone will come and pay you a visit or a child will begin to cry. C'est une ruse du diable pour te distraire. It is a tool of the devil to distract you. Parfois vous voyez un enfant qui dort. Mais si bien vous commencez à prier, l'enfant pleure sans raison. Sometimes you see children sleeping peacefully, but when you begin to pray, they start crying. L'ennemi ne veut pas. The enemy doesn't want que tu sois dans la prière. He doesn't want you to be in s'il prayer. Y a un le genre de chrétien que l'ennemi craint, c'est le chrétien qui prie. If there is someone that the enemy hates, it is a prayerful Christian. Un chrétien qui ne prie pas, a Christian that does not pray, ne fait aucune peur au diable ou au démon. Does not scare demons or the devil. Parce que tu ne les déranges pas. Because you do not disturb them. Nous allons prier et lier. We're going to bind and destroy. L'esprit de distraction. The demon of distraction. L'esprit de confusion. The spirit of confusion. Et tout autre esprit que le Saint-Esprit peut inspirer, tu lis au nom de Jésus-Christ. And every other spirit that the Holy Spirit will bring to your mind, you're going to bind them in Jesus' name. Lis bien. Bind well. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Prions. Let us pray. Ô Père, je te bénis de ce que tu m'as donné l'autorité de lier. Et tout ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. Tout ce que je délie sur la terre est délié dans les cieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Homme fort, je te châtie par le sang de Jésus-Christ. Je te ligote, je te déloge. Je te jette dans les lieux arides, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Toute arme est forgée contre moi et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, esprit de distraction, dans la maison de mon frère, dans la maison de ma sœur,
dans ce lieu où nous lançons cette action. Esprit de distraction, au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de pensées inutiles, je te châtie par le sang de Jésus-Christ. Je te ligote, je te déloge. Je te jette dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. 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 Vous tous les envoyés du diable, dans ma vie et dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans ce culte, je vous châtie par le sang qui a coulé à la croix. Je vous ligote et je vous déloge. Je vous jette dans les lieux arides, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Allez-vous-en dans les lieux arides, envoyés du diable, esprit d'envoûtement, esprit de sorcellerie. Je vous châtie par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes venu par un seul chemin, mais vous fuyez par sept chemins différents. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel vous poursuit. Et votre chemin est ténébreux et glissant au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu est souverain. Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. They overcame them because of the blood of the lamb and the word of their testimony. Nous allons prier. We're going to pray. Invoquons le sang de l'agneau. Let's call upon the blood of the lamb. Couvre-toi dans le sang de l'agneau. Cover yourself in the blood of the lamb. Ta maison dans le sang de l'agneau. Your house in the blood. Ton bureau, tes affaires dans le sang de l'agneau. Your business, your office in the blood. Ta famille dans le sang de l'agneau. Your family in the blood of Jesus. Ton corps dans le sang de l'agneau. Your body in the blood of the lamb. Là où il y a une maladie qui te dérange, envoie le sang de l'agneau. Where there is a sickness that is disturbing you, send the blood. Prions ensemble. Let's pray together. Le sang de l'agneau. The blood of Jesus. Autour de ta maison. All around your house. Dans ta chambre. In your bedroom. Dans ton lit. In your bed. Dans tes affaires. In your business. Sur tes enfants. On your children. Sur ton mari. On your husband. Sur ta femme. On your wife. Le sang de l'agneau. The blood of the lamb. Ils l'ont vaincu. They overcame them. Par la puissance du sang de l'agneau. By the power of the blood of the lamb. De la même manière the same way, que Dieu avait délivré Israël hors d'Égypte par le sang de l'agneau, des boucs. By the same way that God delivered Israel out of slavery by the blood of lambs and goats. Aujourd'hui, il utilise le sang de son fils. Today he uses the blood of his son. Il va te délivrer. He will deliver you. Le diable ne peut pas te maintenir en captivité si tu as le sang de l'agneau. The devil cannot hold you in captivity if you have the blood of the lamb. La sorcellerie ne peut pas te maintenir en captivité si tu es dans le sang de l'agneau. Witchcraft cannot hold you in captivity if you have the blood of the lamb. Invoque le sang de l'agneau dans le nom de Jésus. Call upon the blood of the lamb in Jesus' name. Prions ensemble. Let's pray. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, tu as dit tout ce que vous demanderez. En mon nom, je le ferai. Papa, je viens auprès de toi dans le nom de Jésus. Je demande le sang qui a coulé à la croix. Que le sang de Jésus me couvre, moi, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, dans le nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de l'agneau dans cette maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le sang de l'agneau me couvre de la tête aux pieds. Tous mes organes, je les plonge dans le sang de l'agneau, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je mets foi et victoire dans le sang de l'agneau. Je mets mes enfants dans le sang qui a coulé à la croix. Tous mes biens dans le sang qui a coulé à la croix. Je mets une clôture du sang de l'agneau autour de ma maison et dans chaque pièce de ma maison. Le sang de l'agneau dans mes finances, le sang de l'agneau dans mon ministère, le sang de l'agneau dans ma santé. Et partout il y a quelque chose qui m'a été dérobé par l'ennemi, j'envoie le sang précieux, le sang qui a coulé à la croix, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Père pour le sang, au nom puissant de Jésus-Christ. Élie était un homme de la même nature que nous. Elijah was a man like us. Il a demandé le feu, Dieu a répondu par le feu. He asked for fire and God sent fire. Nous allons demander le feu. We're going to ask for fire. Sur les œuvres des ténèbres et sur les agents du diable. Over the works of darkness and the agents of the devil.
le feu send fire, dans le camp des démons, in the camp of the demons, dans le camp des sorciers. In the camp of witches, envoie le feu send fire, sur les œuvres du monde des ténèbres dans ta vie ou dans ta maison. Partout, il y a quelque chose qui représente le royaume des ténèbres, que le feu descende au nom de Jésus-Christ. Wherever there is something representing the kingdom of darkness in your life, send fire. Libérons le feu. Let's ask for fire. Au nom de Jésus-Christ, je demande le feu. Papa, Eliade était un homme de la même nature que moi. Quand il a demandé le feu, tu as répondu par le feu. Je viens auprès de toi ce soir. Je te demande le feu, mon Père et mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa, envoie le feu. Envoie le feu dans le camp de l'ennemi, dans le camp du diable et de ses agents. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu dévorant descende, mon Père et mon Dieu, pour consumer dans ma vie, dans ma maison, dans mon ministère. Mon Père et mon Dieu, tout ce qui est du diable, que ça soit consumé à cet instant même par le sang précieux, par le feu dévorant, feu dévorant, feu dévorant. Vous tous qui me combattez, le feu est sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans le camp des sorciers et des sorcières, j'envoie le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie le feu dans le camp de tout sorcier, tout sorcière et tout agent du diable qui me combattait, qui combattait ma famille. Je libère le feu dévorant contre vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Matthieu 6, 10. Matthew chapter 6, verse 10. Jésus nous a montré comment prier. Jesus shows us how to pray. Ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. May your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Parler du royaume. As we have spoken about the kingdom. Que la volonté de Dieu se fasse. May the will of God come. Que son règne vienne. May his reign come. Et que sa volonté se fasse. And his will be done. Que Dieu règne dans May ta God vie. Reign in your life. Quand il règne dans ta vie, il te protège et il te bénit. When he reigns in your life, he protects you and he covers you. Et ses projets se réalisent dans ta vie. And his plans are fulfilled in your life. Que sa volonté se fasse. May his will be done. Dans ta vie. In your life. Tu vas prier, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Pray and say, Lord, let your reign come in my life. Que seule ta volonté s'accomplisse dans ma vie. And only your will be fulfilled in pas la my volonté life. Du diable. Not the will of the devil. Pas la volonté des démons. Not the will of demons. Pas la volonté des sorciers. Not the will of witches. Pas la volonté d'un homme. Not the will of a man. Que ta volonté se fasse dans ma vie comme au ciel. Only your will be done in my life as it is in heaven. Au ciel, il n'y a que de bonnes choses à ton sujet. In heaven, there are only good things concerning your life. Prions ensemble. Let us pray. Demande que le règne de Dieu vienne. Ask for the reign of God to come. Dans ta vie. In your life. Que sa volonté se fasse. That his will may be done. Dans ta vie. In your life. Il y a des hommes qui ont une autre volonté contre toi. There are other people, other men that have a different will for your life. Mais que la volonté de Dieu se fasse. But only the will of God must happen. Au nom de Jésus-Christ, prions. Name, let's pray. Père, que ton règne vienne. Father, in the mighty name of Jesus, dans ma vie, dans ma maison, dans mon ministère, que ton règne vienne. Au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, et que seule ta volonté soit faite dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pas la volonté de mes ennemis, pas la volonté du diable, au nom puissant de Jésus-Christ, mais que ta volonté se fasse, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, ta volonté seule, au nom puissant de Jésus-Christ, car toi, tu connais les projets que tu as formés pour moi, ce sont des projets de bonheur et non de malheur, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta volonté seule se fasse dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ta volonté est ton règne. Le diable ne régnera pas dans ma vie. Les démons ne régneront pas dans ma vie. Les esprits impurs ne régneront pas dans ma vie, ni dans ma maison. Mais que ton règne vienne dans ma maison, dans mon foyer, dans ma famille, dans mon ministère. Que ton règne vienne. Que ta volonté se fasse dans ma vie, dans mon foyer, dans ma santé, au nom de Jésus-Christ. Parmi mes enfants, ta volonté, Seigneur, pas la volonté d'un homme, pas la volonté du diable, au nom de Jésus. Alléluia. Psaume 24, verset 7. Psalm 24, verse 7. Nous allons prier pour que les portes de nos vies, la Bible dit, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous
portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. We read and says, lift up your heads, you gates, rise up ancient doors, then the king of glory will come in. Le roi de gloire, the king of glory, le roi de notre royaume, the king of our kingdom, le seigneur des seigneurs, the lord of lords, l'alpha et l'oméga, the alpha and omega, tu vas commander aux portes, you're going to command the doors, qu'elles puissent s'élever leur linteau, to lift up their heads, que le roi de gloire entre dans ta vie, that the king of glory may come into your life, que le roi de gloire entre dans ton foyer, that the king of glory may come into your home, au nom de Jésus-Christ, in Jesus' name, commande aux portes d'élever leur linteau pour que le roi de gloire entre dans ta vie et dans tous les domaines où tu veux qu'il puisse régner. Command the gates to lift up their heads so that the king of glory may come in wherever you want him in your life. Les portes des affaires, the doors, the gates of business, qui sont fermées devant toi. That are shut before les you. Portes du mariage qui sont fermées devant the toi. Gates of marriage that are shut before les you. Portes de la guérison. The gates of healing. Les portes de la prospérité qui sont fermées devant toi. The gates of prosperity that are shut before you. Ordonne qu'elles élèvent le linteau pour que le roi de gloire fasse son entrée. Command them to lift up their heads so that the king of glory may come in. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ, portes élevées vos linteaux. Porte de ma vie, élevez vos linteaux pour que le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, fasse son entrée. Au nom de Jésus-Christ, le qui est ce roi de gloire, l'Éternel, fort et puissant dans les combats, l'Éternel des armées, il est mon roi, qu'il fasse son entrée. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toutes portes qui sont fermées devant moi, élevez vos linteaux, que le roi des gloires qui vit en moi, qu'il fasse son entrée. Dans la prospérité, dans le succès, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien, la parole de Dieu déclare, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Beloved, the Bible says, the Lord, he knows the plans he has for us, plans to prosper us, not to harm us, to give us a future and hope. Commence à dire, j'accepte les plans de Dieu, je refuse tous les autres plans. Say, I accept the plans of God and refuse every other plans. Que cette année, that this year, que seul le projet de bonheur, only the plans of goodness, se réalise dans ma vie. Will be fulfilled in my pas life. Les autres projets. Not other plans. Pas les projets de malheur. Not the plans of sorrow. Tu dis, je refuse. You say, I refuse. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ, Père, c'est toi qui connais les projets que tu as formés pour moi, qui sont des projets de bonheur et non de malheur pour me donner un avenir et de l'espérance. J'accepte ces plans, ces projets que tu as formés pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, voici le seul plan que moi je tolère dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis non à tous les autres projets qui ne viennent pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. 2 Rois chapitre 13, 17 à 19. 2 Kings chapter 13, verses 17. Nous allons lire. We will read. Nous allons faire une prière prophétique. And we will make a prophetic prayer. La fenêtre à l'Orient, il ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu combattras les Syriens à Apec jusqu'à leur extermination. Élisée lui dit, tire encore, prends des flèches. Et il les prit. Élisée dit, tire. Il dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa trois fois et il s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et il lui dit, il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras trois fois. Verses 17, 18 and 19. And he said, open the east window. And he opened it. Then Elisha said, shoot. And he shot. And he said, the arrow of the Lord's deliverance and the arrow of deliverance from Syria. For you must strike the Syrians at Apec till you have destroyed them. Then he said, take the arrows. So he took them. And he said to the king of Israel, strike the ground. And so he struck the ground three times and stopped. The man of God was angry with him and said, you should have struck five or six times. Then you would have struck Syria till you had destroyed it. But now you will only strike Syria three times. Bien-aimés, nous allons faire une prière prophétique. Beloved, we're going to
pray a prophetic prayer. Le roi d'Israël tirait des flèches sur ordre de l'homme de Dieu. The king of Israel was shooting arrows under the man of God's commands. Mais l'acte qu'il posait était un acte prophétique. But the action he was doing was a prophetic one. Chaque flèche qu'il tirait, every arrow he was shooting, signifiait une victoire. Meant a victory. Et quand il s'est arrêté à trois fois, l'homme de Dieu s'est irrité contre lui. Il a dit, pourquoi tu as tiré seulement trois fois? Parce que tu pouvais tirer cinq, six fois. Et alors tu allais les exterminer. Parce que tu as tiré trois fois, tu vas gagner seulement trois fois. But the king only shot three times, and the man of God was upset and said, why did you only shoot three times? You should have shot five, six, seven times, and you would have exterminated Syria. But because you only shot three times, you are only going to defeat them three times. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Death and life are in the power of the tongue. Déclare, je tire les flèches de ma délivrance. Declare, I shoot the arrow of my deliverance. Je tire les flèches contre mes adversaires. I shoot the arrow against my enemies. Je tire les flèches contre la pauvreté. I shoot arrows against poverty. Tire les flèches contre le célibat. Shoot arrows against singleness. Tire et ne te fatigue pas. Shoot and do not get tired. C'est une prière prophétique. This is a prophetic prayer. Sois déterminé, il te sera fait selon ta foi. It shall be done to you according to your faith. Au nom de Jésus-Christ, par la foi, je tire la flèche de ma délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, je tire ma flèche contre l'homme fort. Au nom puissant de Jésus-Christ, je tire la flèche contre les démons, contre la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je tire des flèches. Je tire la flèche contre l'opposition à mon succès. Je tire la flèche au nom de Jésus-Christ. Je tire la flèche contre l'esprit d'échec. Au nom de Jésus-Christ, je tire la flèche dans le camp du diable. Je tire contre tous mes ennemis, toutes les forces du mal qui sont venues pour s'opposer à mon succès, à ma santé, à mon ministère, au mariage de mes enfants. Je tire la flèche contre tout agent du diable devant moi sur le chemin du succès. Au nom de Jésus-Christ, je tire encore, 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 je tire encore. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il te sera fait selon ta foi. Ceci est une prière prophétique. Toi qui as tiré les flèches, tu verras le résultat. Nous nous inclinons dans la prière. Père, je viens auprès de toi avec mes frères et sœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons la foi que quand nous avons prié, tu nous as entendus. Toi, tu es le Dieu qui a dit prier sans cesse. You are the God who says, pray without ceasing. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te dis merci. I thank you, Lord Jesus, parce que j'ai la foi because I have faith, que tout ce que nous avons demandé avec foi, that everything we have asked with faith, par la prière, hier, nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Bénis mon frère et ma sœur. Guéris celui qui est malade. Heal the one that is au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre les portes, Seigneur. Open doors, Lord, pour le business de cette sœur qui pleure depuis un temps. For the business of the sister who has been crying for a long time. Au nom puissant de Jésus-Christ. In Jesus' name. Je vois un couple qui est sur le point de divorcer. I see a couple that is about to divorce. Je brise l'esprit de divorce dans le nom puissant de Jésus-Christ. I destroy the spirit of divorce in Jesus' name. Je déclare que le Saint-Esprit descend maintenant pour la réconciliation dans ce foyer. I declare that the Holy Spirit is coming down to reconcile. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Toi qui avais un bubon comme une boule, une ampoule dans le pied droit. You have a growth in your right leg. Et tu ne sais pas même bien marcher. You cannot walk properly. Tu ne mets même plus les souliers. You cannot wear your shoes. L'épée que j'ai tirée, the arrows that I shot, est allée crever l'abcès. Went to burst this bubble. Reçois ta guérison. Receive your healing. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Je te vois guéri. I see you healed. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Commence à bouger tes jambes. Begin to move your legs. Avant la tombée de ce jour, before the end of this day, tu pourras mettre ton pied à plat sur le sol. You will be able to lay your foot flatly on the ground. Et ce dimanche, tu mettras les souliers. And on Sunday, you will wear your shoes. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Père, je te bénis parce que tu ouvres le chemin de mariage pour mes frères et
et sœurs. Father, I bless you because you opened the way for marriages for my brothers and sisters. Je te bénis et je te dis merci pour la prospérité que tu accordes à ton peuple. I thank you for the prosperity you grant my brother and sister. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. God bless you. On se retrouve dimanche à l'église. We will meet again on Sunday at church. Nous aurons 50 personnes dans la grande salle et dans la salle Bethany, nous aurons 50 personnes. Venez nombreux. We are going to accommodate 50 people in the main hall and 50 people in Bethany. Et il y a une grande compagnie qui viendra désinfecter les deux salles demain. And we are going to have a big company coming to disinfect the both halls tomorrow. Que la paix du Seigneur soit avec vous. May the peace of the Lord be with you. Amen. Amen. Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon. Thank you.